Alors, on va aller chercher la carte 14 qui est dont le numéro est marqué au pied de la bambouseraie. Donc, on note que sur ce genre de carte, on a un petit cartouche qui indique 006 avec un pouce. Ça veut dire que si on pioche cette carte, c'est parce qu'on vient de la carte 006. Ce qui est bien le cas. Donc, on ne s'est pas trompé. C'est la bonne carte. Alors, vous effrayez un petit crabe qui trouve refuge dans une galerie bien masquée par la végétation. Alors, on va à nouveau changer de carte terrain. On est. Hop. Voilà. Quelles sont les différences? Déplacement aucune, ressources aucune, sur les chemins d'accès aucune. Il y a juste maintenant au pied de la bambouseraie, on a l'action examiner, qui en plus est gratuite puisqu'elle demande de piocher 0 carte. 0 carte et 0 succès. Donc ça, en revanche, cette carte-là, hop, on va la dégager, on va la bannir. Alors, 0 plus, carte 16. Non, oui. Alors. Carte 16. Il y a quelque chose là-dedans. En suivant des yeux le crabe fuyard, vous apercevez un scintillement à l'entrée de la galerie. Accroupi, vous enfouissez le bras pour saisir l'objet. Ta-da-da-da, ta-da. Roue métallique, un petit rouage métallique trouvé dans le repère d'un crabe. Hop, ça va rejoindre la besace écarnée. Alors, on a le logo engrenage plus 6. Ça veut dire que. Hop, on va reprendre nos cartes. C'est nos XP. Voilà. Si on a un test qui utilise ce logo, on ajoutera plus 6 au résultat obtenu. En fait, par exemple, si on a un test avec ce logo et qui nous dit prenez une carte 25, on ajoutera plus 6 et on prendra une carte 31. S'il y a ce logo, c'est pareil. S'il y a les deux logos, eh bien, on ajoutera plus 12. Allez, ça va dans la besace. Hop, on va remettre Victor à sa place. Et maintenant, il est temps de chercher un moyen de sortir de l'île. Alors je vais pas aller là. J'ai peur de dépenser trop de cartes. Maintenant, je sais. J'ai une mémoire de poisson rouge et j'ai pas regardé hein, les anciennes vidéos. Donc je sais plus trop ce qu'il y a ici. Je sais qu'il y a un petit repère pour se protéger ou se reposer. Pour l'instant, j'ai une des fosses qui reste raisonnable, surtout comparé à ce que j'ai eu en première partie. Donc on va repartir, on va se déplacer, surtout que c'est deux cartes en plus, quoi. Alors là, comme je joue d'une traite que j'ai pas fait de sauvegarde, si je voulais aller ici, je pourrais pour juste l'action déplacer ici, faire comme ça. Mais comme là où je veux aller, c'est ici, il y a un. Alors c'est dommage parce que j'aurais révélé. Non, parce que là c'est un événement. Mais si j'avais révélé cette carte-là, j'aurais pu y aller direct sans m'arrêter ici, en fait. Alors, gilet de sauvetage. Vous avez mis la main sur un gilet de sauvetage en piteux état. Donc ça c'est cool, c'est un objet gratuit. En revanche, je suis déjà à 4. Donc je vais devoir le combiner si je veux le garder. Ça, c'est adresse et vêtements en mots-clés. Et moi j'ai pas. J'ai agressivité musique, j'ai vigilance, j'ai sérénité musique. Et en fait, c'est la sarbacane et la flûte de Pan, j'aurais dû les combiner quand je les ai créées. Parce qu'elles sont toutes les deux à 3 et ça m'aurait fait 6. Alors là, j'ai mal joué, là, en revanche. J'ai pas fait gaffe. Alors, je suis embêté. Je suis embêté parce que je sais pas trop quoi faire, là, du coup. Aïe 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 aïe, pauvre et des moins. Bon. Ça peut pas être agressif un jet de sauvetage. J'essaie de réfléchir vite fait à trouver une solution sur comment faire. Mais j'en vois pas. J'en vois pas. Et puis je vais la défausser, peut-être que je la récupérerai plus tard. Ah non, je peux pas la défausser. C'est une carte exploration, ça va aller dans le passé. Faudrait que je retombe dessus après une autre sauvegarde en fait.
Là, zut, pourquoi j'ai pas lié la flûte de Pan et la sarbacane, quoi. En plus, c'est ça, une sarbacane qui, une flûte de Pan qui fait sarbacane. Ah, ben je sais pourquoi, parce que c'est vigilance et là c'est sérénité musique, donc c'est pas possible. Non, il aurait fallu que je lis la sarbacane à la conque en fait. Et je l'ai pas fait à cause de cette histoire de charge, d'accord. Bon, tant pis, ça va aller dans le passé. On espérera retomber dessus, je veux même pas y penser. Et on va prendre une carte 15, un bras de mer se scinde le terrain en deux. Les vagues déferlent et s'écrasent bruyamment contre les rochers, la traversée risque d'être mouvementée. Alors, 9, c'est là d'où on vient, 17, c'est là où on veut aller. Pour traverser, il faut faire un test d'équilibre, 3 cartes et plus, un succès, sinon on ne peut pas traverser. Alors, test d'équilibre, j'ai aucun objet qui me permet de m'aider. 3 cartes pour un succès, c'est faisable. Est-ce que j'ai pas une carte ou un truc qui me permette de faire moins? J'ai ça. Je peux le sacrifier en fait et ça me fait moins 3 cartes à piocher. Mais le problème, c'est qu'il me faut un succès et que j'ai rien qui va me le donner dans ce cas-là. Donc hop. On va piocher les 3 cartes. Bon, j'ai le succès, j'en ai même 2. Alors, laquelle le savoir et le pouvoir, c'est pour gagner l'expérience. L'effet s'applique tant que vous avez cette carte en moins. Succès automatique, réfléchir, moins 1 pour construire, c'est mon côté savant fou. Et combustible, c'est embêtant parce qu'on a toujours envie de tout garder, quoi. Je vais garder savant fou. Je vais défausser les deux autres. Comme j'ai réussi, mettez une carte 17 en jeu à l'emplacement indiqué, chaque participant y déplace sa figurine. Donc on va mettre la carte 17 en jeu. Un sous-marin, long d'une dizaine de mètres, est suspendu en l'air par deux grues. Il n'y a pas d'âmes qui vivent aux alentours. Donc sur cette carte, pas de production, on a les tombes. Alors là on va voir, il y a la capacité spéciale de Frankie qui peut jouer. Enfin, de Victor plutôt. Là, on peut aller regarder, enfin explorer, on va dire. Et là, le fameux sous-marin qu'on va aller voir de plus près. Alors, hop. On déplace notre petite figurine. Donc, on notera qu'on est passé en fait de là. Hop, FTSA, c'est le nom du sous-marin, on a appris, à ici. Donc on va trouver le moyen de mettre ce sous-marin à flot et de pouvoir quitter l'île. Quitter cette zone-là en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette capacité spéciale de Victor? Si une tombe est présente sur votre carte terrain, vous pouvez entreprendre l'action suivante. Soin, 2 plus, 5 succès. Alors, je pioche une carte particulière, dont je ne connais pas l'effet, et je récupère 25 cartes de la défausse. Donc c'est assez violent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce serait idiot de l'utiliser maintenant, étant donné que je n'ai que 11 cartes. Je crois que je vais plutôt tenter de... Ah ouais, mais sans le combustible que j'ai jeté comme un crétin, je peux pas faire de feu. Bon, est-ce que je vais prier? Sachant que si je prie, je sais que j'ai des chances de me taper un spectre qui va me taper la tête. De l'autre côté, comme ça, j'aurai des os et je pourrai fabriquer mon pied de biche en os. Le souci étant égal... Ah si, mais attendez. Là, je peux faire du feu. Une carte, un succès. Donc, ben, je vais faire ça, ça va me baisser de une charge, je vais passer à 3. Je vais faire un feu, donc je mets ma petite figurine feu sur le terrain. Et alors du coup ici en fait, si je l'utilise, je bénéficie, j'ai moins une carte à piocher et un succès. Alors bon, je vais pas le faire, je vais piocher Je vais piocher une carte et si jamais j'ai pas de succès, ce qui est le cas,
Je pourrais toujours utiliser une charge de la flûte de Pan. Bon, celle-là, je vais la prendre dans ma main déjà. J'utilise une charge de la flûte de Pan de... Ça me fait un succès. Alors, est-ce que je peux combiner les deux en fait directement? C'est-à-dire, comme c'est et ou, comme ça, je pioche pas et j'ai un succès en fait. Je pense que je peux le faire. J'utilise ça dans jeu 1 et défausser cette carte. Donc, ça, déjà, je vais le défausser. Donc, en fait, ça me prend pas une charge puisque j'utilise pas. Donc, je reste à 3. Je sais pas pourquoi j'avais mis 4 en fait. C'était 3. Ça c'est défaussé, donc ça va dans le passé. Non, ça va dans la défausse, ce que je raconte. Et en fait, j'utilise ce bénéfice de ça, je pioche moins une carte et j'ai un succès automatique. Donc j'ai pas besoin, je vais remettre la torche dans le deck d'action et je vais remélanger. Donc j'utilise une charge, voilà, de la flûte de Pan. Et du coup, je fais du feu. Alors, suite à ça, prenez 3 cartes, 6 si vous disposez de la ressource feu. Donc, hop. Et ensuite, rangez cette carte. Donc, je vais la ranger. Il ne me reste plus que celle-là. Hop. Et je vais aller récupérer 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais l'utiliser également. C'est gratuit, je prends 6 cartes. Hop, comme ça, je récupère tout et ça, je dois le ranger. Alors, donc je récupère les 6 dernières cartes et je remélange dans mon deck d'action. Comme ça, je suis ce qu'on appelle un homme neuf. Suite à ça, je vais aller prier en fait, puisque je vais aller prier ici, je pioche une carte, obéis. Ouh, ça donne de sacrés bonus. À l'étape de résultat d'une action à laquelle vous participez, si vous avez une carte ayant le mot-clé créature en main, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Donc, pour épreuve de force, creuser, escalader, combat ou se reposer, deux succès ou les 7 donnent un succès. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en aurai trop. Il faut avoir le mot-clé créature en main. Non, pas en main. Ah, tcha-tcha-tcha. Ça, il faut pas que je l'oublie, ça, parce que c'est à chaque fois, c'est tant que j'ai les trucs, je construis pour un de moins. Je vais la garder pour l'instant. Non, bah non, j'ai fini mon action, donc il faut que soit je la garde, soit j'en défausse une autre. Je vais jeter celle-là pour l'instant. Donc j'ai réussi mon action et je pioche une carte 39. Deux corps ont été enterrés ici, sans doute s'agit-il de membres d'équipage du sous-marin. Leur fossoyeur a visiblement commencé par tenter de creuser la roche avant de renoncer, préférant recouvrir les dépouilles de cailloux. Alors, vous vous recueillez un moment en espérant que vos prières soient entendues. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 666, puis appliquez l'effet suivant. Pour chaque carte malédiction présente dans la défausse, prenez deux cartes au hasard dans la défausse et mélangez-les dans le deck d'action. Bon, c'est peut-être pas la peine que... Ouais, bon, j'en aurais pris deux. Alors ça produit du bois et de la pierre, du coup, le territoire maintenant. C'est-à-dire ce territoire-là. Alors, 666, ça c'est forcément la carte du diable. Un voile brumeux se forme mystérieusement autour de la tombe. Vous avez réveillé un esprit tourmenté. Combat obligatoire, 2 plus 7 succès. Oh la vache.
Alors, comment je vais combattre? Alors, deux cartes plus et sept succès. Pour m'aider.